Bonjour à tous, on est toujours ici en mer dans le Lancaster Sound après avoir franchi le passage du Nord-Ouest en suivant le Canadian Coast Guard Louis Saint-Laurent. Vous le voyez, le temps est vraiment splendide, le soleil bien établi et radieux, mais ça n'empêche pas petit à petit le retour du froid. On a enregistré la nuit dernière moins 4 degrés centigrades et les services météorologiques canadiens prévoient moins 10 degrés de jour comme de nuit pour vendredi prochain. L'idée, c'est donc de quitter ce piègement potentiel pour faire route dès aujourd'hui vers Arctic Bay. Nous ferons escale demain en fin d'après-midi au lieu du 3 octobre initialement prévu. Depuis hier, l'équipe scientifique emmenée par Lars Tierman travaille d'arrache-pied pour arracher de ses eaux des échantillons qui sont à la fois des échantillons des eaux du Pacifique et de l'Atlantique. C'est l'intérêt du Lancaster Sound. Ici, ces eaux se mélangent. Je vous rappelle au passage qu'il existe un site qui s'appelle tarajunior.org pour tous les jeunes qui s'intéresseraient à cette expédition avec en ce moment deux opérations particulières, éco d'escale et du bateau au labo.